à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Écoute en direct Twitch. Je l'avais annoncé. La Melo et Gangs de Tiakola et Gazo. Alors, je tiens à m'excuser dès maintenant, encore une fois, hein, comme je l'ai dit, au GOAT du chat Twitch qui passe le bonjour au GOAT des commentaires YouTube. Je suis malade, je suis sous Covid. Donc, voilà, il se peut que parfois je tousse, que parfois j'éternue, que je renifle. Mais voilà, on va s'écouter quand même de façon sérieuse cet album. Gazo et Tiakola qui unissent leurs forces. Alors bon, quand on connaît les deux, on espère vraiment quelque chose qui coule comme le miel coule sur les tartines de beurre le dimanche matin. Voilà, franchement, c'est ce qu'on veut. Actualité, Melo et Gangs, Gazo Tiakola, vous pourrez vivre l'expérience de cet album en direct, puisqu'ils sont aux Ardentes 2024. Et du coup, bah vous savez, hein, les Ardentes, à chaque fois, ça se passe sur 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, ils seront présents dès le premier jour, le 11 juillet. 11 juillet, la Melo et Gangs. Donc, n'hésitez pas, hein, dès que vous le pouvez, à prendre vos places. Je pense que, avec un beau soleil, une bonne température, si l'album est à la hauteur de ce qu'on peut espérer de l'efficacité en termes de morceaux, voilà, sans se prendre la tête, voilà, de l'écoute facile, ça peut être quand même pas mal. Le morceau fait, l'album, pardon, fait 12 morceaux. Il y a un featuring, Scred, un deuxième Core. Et ça dure 38 minutes. Au niveau des beatmakers, on a Joe Lykeb, Caleb, Kyle Evans, Flemme, Scred, donc producteur de Orelsan, Tariq Azouz, SHK, Elias Guapo, Flemme, Flemme, ah ouais, Flemme beaucoup de fois. Hein. Mais le, rappelez-vous, hein, le Flemme Tiakola était vraiment pas mal hein, avant que la mélo ça sorte. Alors, on va se lancer ça. La coupure publicitaire est terminée. C'est parti, la mélo et Gangs. Premier morceau, 24-34. Let's go. 404, comme chaque éloigné les copies. Ah ouais! 34-34, 7 sur 7. J'ai la 6-35. Et dedans, la 6 sur 6, je fais les. Tu fais rentrer d'espèce. Maman est mon précieux. Hey, j'essaye de vivre sans la peur. Bah, tu envies ça, c'est pas dans nos natures. Les meufs font le kiff mature autant. Hey, j'ai dû augmenter le level, augmenter le level. Si je fais les transactions 7 sur 7. Sans la peur, traîner jusqu'à pas d'heure. Été, hiver, automne. 24. Comme toi, c'est les mêmes devoirs qu'on accomplit tous les jours. Ok, bon, en vrai, pas mal. Entrer en matière cool. Je vais pas vous mentir, hein, je sais pas si j'en attends plus que ça. Hein. Faut être honnête. Je veux dire, on connaît les forces et les faiblesses de chacun. Et on connaît surtout les faiblesses, je suis désolé, de Gazo. Hein. Là, ça fait longtemps que le mec est hyper redondant. Après, je me dis, voilà, faire un album un projet en commun avec Tiakola, c'est peut-être intéressant pour lui, artistiquement, pour se renouveler un peu. Parce que bon, c'est vrai que ça tourne en rond. Alors, en plus, quand il dit dans le morceau, genre dans le rap français, ils font un peu tout step ou je sais pas quoi, frérot. Gazo, quand même, t'es l'un des porte-étendards du rap hyper facile, bête et méchant, qui se renouvelle pas et qui a un peu tombé à plat depuis quelques temps. Hein. Bon, c'est le 3 qui l'emporte à 67%, bon, c'est ce que j'avais voté. Les mélodies sont intéressantes, c'est entraînant. Alors, un poil long quand même, 3 minutes 47, bon. Que ça soit l'instru, que ça soit les performances ou même ce qu'il raconte, je pense pas que ça valait autant de temps.
Pour l'instant, ça va, en plus c'est le premier morceau, tranquille. Allez, on avance. Donc là, c'était produit par Joe Caleb et Kyle Evans. Alors, Joe Caleb qui a produit pour Dave Central C, Cheryl. Ok. Et Kyle Evans qui a produit pour Dave Central C, Freddie Gibbs. Haley One, ok, donc ils sont partis chercher du beatmaker international en hein, plus, hein. So bad. Je trouve qu'il se renouvelle, il est passé de très bon driller à horrible chanteur. Ça peut t'envelopper comme un tortillard. Tes yeux même flow, sont comme un whistle. J'ai mis des flingues partout, j'habite. Ouais, kilos de frozen, pas ils en paye, beat, c'est moi qui paye tout. Une fois un fils, c'est une fois une baby mort. Et même si la gueule me die. Capuche la p'tite. Pas dans l'ego, moi je prends ce qu'il y a. Sourire de maman est inestimable. Fast life sur fast life, je sais même plus ce qui se passe. Plus de pépites qu'à la race, c'est obligé à respecter. C'est obligé à respecter. Putain, mais Gazo, c'est vraiment le rat des pâquerettes. Sincèrement, pardon, hein, mais. Non, mais déjà, le flow, il a le même flow depuis 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans qu'il a ce putain de flow. En rap, enfin, vraiment, on est sur une, entre guillemets, tête d'affiche avec peut-être le moins de talent au niveau du rap. C'est un truc de fou. Le mec est plus intéressant sur ses mélodies que sur son rap, alors que c'est un rappeur. Enfin, bref, l'instru par contre, elle est vraiment lourde. Au début, j'étais un peu, hein, je sais pas trop, parce que je sais pas le rythme, je sais pas pourquoi ça m'a donné des Roland de drill, un peu. Mais non, franchement, et puis l'apothéose à la fin avec du coup le chœur. Attendez, il faut quand même qu'on cite. Donc c'est produit aussi par donc c'est Flemme mais également Sherco qui a produit du coup beaucoup pour Gazo. Ah bah il a produit Dime, Da pour Tiakola par exemple aussi. Et vous avez du coup Sankofa Unit et Thunder Core pour les chœurs. Donc très bon ajout. Après il y a Gazo qui revient à la fin. Ouais, c'était pas opportun du tout. Le morceau en vrai, ouais, bah, moi personnellement je peux pas mettre plus de 3 parce que vraiment, enfin, Gazo c'est trop anecdotique ce qu'il fait sur le morceau. Et bon, ok, allez, on avance. AF, AV, SD, Scred. Tu as vibes enfoirés. Dis-leur qu'on arrête trop. Déjà la prod. C'est évident que je reste entier. Élection métal. Je montre à Bay comment nettoyer. Business et élection. Ouais, j'ai ça en moi. J'ai ça en sûr que non. Il raconte tellement rien, putain. Ok, poursuivi par les Badman. Bon, déjà, l'instru était vraiment lourde. Le rythme, la profondeur. Après, bon, c'est pas, oui, c'est pas de l'opéra et tout ce que vous voulez, mais pour le style de Tiakola et pour ce dont ce qu'on recherche quand on écoute, mais ça lui va super bien. Ça lui va super bien, c'est planant, c'est entraînant. Il y a un côté dansant. Moi, je trouve que c'est propre. Mais oh là là, la différence de niveau entre Tiakola et Gazo, c'est abyssal, hein. Parce que Tiakola, là-dessus, les mélos sont vraiment bonnes. Les mélos, voilà, je trouve que il est encore dans cette phase où il n'a pas de redondance. Enfin, bon, si on va dans l'analyse, qu'on écoute tout et qu'on compare, on va trouver des similitudes. Mais j'ai pas encore ce ressenti de ah ouais, il prend tout le temps la même cadence, etc. Non. Mais par contre, Gazo, ouais, c'est trop limité. Gazo, il est trop, trop, trop limité. Même
avec ce qu'il fait de sa voix. Et de toute façon, moi je me pose la question, est-ce qu'il se force pas à faire ça en vrai parce que c'est ce qui marche? Parce qu'il a trouvé ça, voilà, ça a fonctionné, ça lui a fait un putain de single avec Die. Je pense qu'il fait ça plutôt par opportunisme que parce que. Voilà, et c'est triste, c'est triste, c'est vraiment triste quoi. C'est le 3 qui l'emporte, bah j'aurais mis pareil aussi. Mais c'est vrai que dans d'autres circonstances, ça aurait pu être plus, mais bon. Allez, quartier. Ah, on dirait le début de d'un son de French Montana. Stay home with me. Full Vivi est sur ma tasse. Non, d'avant quand je non. regardais le prix. Ça c'est rincé ça. Ça c'est trop rincé. Non mais c'est la poussière. Ça c'est bordel de merde. C'est daté mais de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça là? On est en quelle année? Preuve qui en fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je me rapproche. On va les lever, on va les lever. Colo. Non mais là c'est même pas efficace, c'est papa de son pôle, tâche la mélodie. Veille sur la mif comme on veille sur le papier. Rien, mais avec ça à donner. De l'oseille on prend mini, je ice avec des armes de l'Est en compagnie de mon reflet. Jinga RD. Coup de feu pour les voir s'éparpiller. Coup de feu, j'en suis sur la famille et papier. Ouais, bon, vraiment, pour l'instant, le morceau le plus faible. Et qu'est-ce qui. Mais c'est long, mais c'est 3 minutes 40, c'est pas fini. Allez, il reste 8 secondes. Ok. Non, mais qu'est-ce que c'est long. Mais en fait, pourquoi 3 minutes 48 des morceaux comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi faire des morceaux aussi longs quand c'est de la qualité si faible. Je suis désolé. Genre, on dirait qu'on avait besoin vraiment de 3 minutes 48 pour être rassasié. C'est-à-dire qu'on était là au début en mode, oh là, attends, j'espère que ça va pas être court, quoi. Parce que là, ce qu'on nous donne, c'est du caviar. Putain, faut pas que ça s'arrête. Ben non, la preuve, les gens étaient contents dans le chat que la pub commence. MFA, Goat des graphistes. Par Bilou. Donc, non, là, franchement, pour l'instant, c'était vraiment le morceau le moins bon du projet. Déjà, l'instru, franchement, vas-y, c'est bon. Les percussions, les pas de profondeur, le rythme, enfin, c'est du vu et de l'entendu, réentendu. Et c'est en fait, c'est démodé, quoi. C'est démodé. Et puis, les performances, c'était pas ouf. Franchement, les performances, c'était pas ouf. Autant, même Tiakola, je l'ai pas trouvé très intéressant. Et on voit la différence quand il y a des prods, quand même, qui sortent du lot. Par exemple, celle de Scred, où. J'ai pas qu'il veut pas non plus dire qu'il sorte de sa zone de confort. D'ailleurs, faudrait qu'il le fasse un jour, parce que ça fait partie des petites faiblesses que je lui trouve. Il se repose trop sur ses lauriers. Alors bon, on va attendre encore un petit peu, mais tu vois, pour le prochain album, si c'est encore des sonorités comme ça, bon bah ça y est, Tiakola a rincé. Ce sera aussi simple que ça, tu vois. Mais sur la prod de Scred, voilà, quand même, tu sentais que il y avait plus de variations. Là, c'est trop basique. Là, c'est vraiment. C'est l'usine, ça c'est l'usine. Voilà, marché de Rungis. Marché de Rungis. Allez, on avance, Notre-Dame. Du coup, on va même pas noter. C'est quand la React à PNL? Bon, déjà là, on est en train d'écouter autre chose. Il est quelle heure? Il est 23h, tu viens nous demander. Le son n'est pas sorti. Putain! C'est pas possible! Alors, merci, salut, déjà bonjour, merci d'être là, ça fait plaisir. Mais frérot, le son n'est pas sorti! Mélo gang déchiré, j'étais dans un autre état. Je t'avoue, j'ai merdé là. Pardonnez, je te fais fly. Car c'est toi mon number one. Si ça me date ma babe, maman, date ma babe, maman, date ma babe. Mais pour me faire pardonner, je te fais fly. Sans toi, t'inquiète, je te le fais comprendre. Si des yeux n'ont plus qu'on t'a pas le temps de jouer. J'ai bien l'âge, je mentirais si je te dis que je suis prêt à dire. Oh my number one. Ok. Bon, bah c'était sans intérêt, on passe au prochain morceau, interlude.
cagoulé dans ta vie, j'ai rentré, j'dérobe ton cœur. Tu sais que plus d'un démon baisse. Pas besoin d'aide. Ouais, baisse sur mes buzz. Je veux voir si tu veux que je m'affirme. Bah, viens que dans la chambre, j'te choque. J'ai tellement à faire des mots. C'est grave gênant. Genre carrément, c'est tellement ouf qu'on avait besoin d'entendre le making of de ces sons extraordinaires, c'est ça? Beaucoup de blessures que j'ai en moi. Y'a certaines choses qui sont. Ah putain, mais l'instru! Ah, l'instru par contre, ouais, c'est sérieux! Ah bah, l'instru était très lourde, mais oh là, il s'est rien passé dessus. C'est ça le problème, mais dites-moi, qui a ressenti quelque chose? C'était quand même le morceau qui avait le plus ce côté, oui, sensationnel, émotion. Qui a ressenti quelque chose? En fait, sincèrement, Gazo, je le trouve même par moments gênant. Très gênant. Et en fait, ça gâche tout. Ça gâche tout. Oh, oh la vache. African Badman. Biggs, J5, Jordan, Morten, The Elements. Alors là, c'est un peu comme Dr. Dre, Trevor Lawrence Jr., Eric Bluetooth Griggs, Mike Elizondo, Focus. Allez hop. Bah, ils ont produit. C'est quoi? Elvis Presley? Ça doit être un sample. Alors, peut-être. J5, Skepta, Dave, Burna Boy. Ok. Lil Wayne, Nav. Ok. David Guetta. Ok. Mais c'est quoi ce mélange des genres là? Ça va être quoi l'instru? Pop Smoke. Pop Simoke. L'OJ, bon, je... Bon, la mélo est gangs. My lifestyle, baby, je suis un gangster. African, never stop, another banger. Garde le rythme et le flow. Gazo, il pose comme Drake sur Flem. Voilà. Je dois te les éteindre sans finir en petit gars. Je trouve pas mes semblables. La roue a tourné. Non, je veux pas être son cœur. C'est pas mal, non, là ça va. C'est rigolo. Faut pas qu'on reste en flou. Stop, mais je veux continuer sur ma route. Ah, mais vas-y, mais Tiako, c'est trop au-dessus. My lifestyle, baby, je suis un gangster. African. Les vrais visages, on se voit dans les airs depuis bien longtemps. Ok, bon, bah, ça c'était déjà mieux. Ça, en vrai, on va pas se mentir. C'était déjà mieux, même l'instru, plus intéressante. Bon, je parle pas de l'interlude, hein. Mais voilà, on a une instru qui sort du lot, avec des sonorités, voilà, qui sont pas tout le temps les mêmes que ces putains de sonorités qu'on a depuis 3-4 ans. Bon, Tiako a fait le morceau, voilà. Après, le refrain de Gazo, bon, ça passe. Mais je trouve que c'est rigolo ce qu'il raconte. Le contraste entre ce qu'il raconte, genre, ouais... Genre avant t'aimais pas ma gueule, maintenant tu me trouvais moche et tout. Et sa grosse voix, tu vois, genre le contraste entre les deux, c'est rigolo. Pff, voilà, après c'est pas... Sincèrement, bon... Oh, voilà, allez 100K, flemme. Ah y'a que Gazo, ah 100K Gazo, 200K, d'accord, ok. Sors une lame et puis je le mets au fin fond. Comme je suis un bon, je te laisse appeler pas pour tout le monde de smoke. Comme un babi, on t'abat les gens du haut. Dérespectez-moi, prends un ballon. J'ai un doula, je suis toujours en vie. Et je vais à Gucci quand j'en ai envie. Y'a du kill, empathie, sans tête. J'ai différentes symphonies. Headshot, tout battait en dans tout mon équipe. En ce moment, c'est 5 à le fit. Non, c'est pas un banger. Bon, après, l'instru était vraiment bien, mais... Franchement... En fait, je pense que je me suis lassé de Gazo. Et je me suis lassé vraiment vite de Gazo. Hein. Putain. Je me suis lassé très très vite de Gazo. Hein. Mais en vrai, je... après... C'est...
Ouais, franchement, sincèrement. Ils proposent pas non plus 150 000 trucs. Enfin, faut dire la vérité. Après, là, il y en a, vous allez me dire, ah bah enfin ils rappent. Ah ok. Donc maintenant, c'est bon, juste faut rapper et puis on dit merci. Non, franchement. Franchement. C'est limité. C'est limité de ouf. Vous avez aucune. Si c'est pas vous avez peu d'exigences, vous n'avez aucune espèce d'exigence. Enfin là, il rappe, ça y est, on doit se taper le cul sur le sol. Merci Gazo de rapper. Bah non. Bah c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Voilà. Allez, 200K, Tiakola, Flemme et Nassir Kélian. Pardon. Sur le chemin du succès, je me suis perdu. Le corps et l'âme, le cerveau ne suis même d'exemple. Tu penses que ma vie se résume qu'à mon sourire. Si tu crois à tout ce qui se raconte, à mon frère le mensonge. Beaucoup veulent faire partie de ma story. Quand pour descendre, se couche. Me reconfirmer sur touche. En cathèse, ma paire de choses. Comparer mon testament. Quand je regarde la vie d'avant, la vie d'été. Comment aimer? Comment il aurait dû faire l'album en commun avec le mec qui fait le bac là, comment aimer? Ou il aurait dû faire un album en commun avec c'est Gazo qui fait le comment aimer? Ah ouais. Bon bah écoutez. Ah. Pas de soucis. Vous êtes sévères les gars, faut pas s'attendre à des textes intéressants. Si t'écoutes Gazo, elles sont très lourdes. Non, elles sont pas très lourdes, elles sont pas toutes très lourdes, non. Et l'alchimie fonctionne pas parce qu'il y en a un qui est totalement au-dessus de l'autre et qui fait beaucoup plus d'efforts que l'autre. Et non, et non, et non, et non. Mais je crois pas que c'était Gazo, hein. Il aurait dû faire un album en commun avec Jay Brownie. Plus la connexion avec Flemme et tout. Bon, allez, ambition! J'ai mis du temps à comprendre que la vie est un choix, que notre amitié ne durera pas. J'ai pris mon temps, alors à moi j'ai mes galères. Ils essaieront d'endommager ma réplique. Comment font-ils quand ça marchera plus? Ils sont pas là quand je pense à l'émission. Bah, les billes dans mon dos parlent mal, boy, ça rentre après. J'ai mis du temps à comprendre que la vie est un choix, que notre amitié ne durera pas. Des années répétées. Parce que je serai au lève, ils pensent que j'oublie. J'ai promis à maman qu'on souffrirait plus. Interdit de pleurer ni baisser la garde. Je vois quand. Sincèrement, je me demande si c'est pas l'album le plus fast-food musique que j'ai entendu dans l'histoire du rap français. Genre, je pense que c'est l'album qui a été fait le plus à la va-vite, le plus usinal de l'histoire du rap français. Genre, encore plus que Réfé. Non, je pense que c'est encore plus fast-food que Réfé. Il y a zéro envie de relancer quoi que ce soit. C'est-à-dire que. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir fini un morceau, eh ben, t'as déjà tout capté. Avant même d'avoir terminé un morceau, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein, parce que ça, c'est très fort. Parce que ça en vrai, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est vraiment chapeau bas. Avant même qu'un morceau se termine, on réussit à se dire, ah ouais, bah ça y est, j'ai tout capté du morceau. Ça y est, bon, j'ai compris. On peut passer à un autre morceau. C'est vraiment. En fait, je me demande si à un moment donné, on devrait quand même se dire, vas-y, c'est pas de la musique. Voilà. Genre à un moment donné, on va dire stop. Nous décidons que là, vous foutez trop de notre gueule. Donc, bah, c'est pas de la musique. C'est des sons mis, je sais pas, bout à bout comme ça. Mais c'est pas de la musique. Ou peut-être, ouais, c'est pas de l'art. Ouais, voilà, c'est pas de l'art. C'est catastrophique. Mais ça, il faut en vouloir aussi aux maisons de disques, hein. Il faut en vouloir aussi aux maisons de disques, parce que c'est des putains de maisons de disques aussi, là, qui font en sorte que ce genre de projet bancal sorte et soit autant mis en avant. Qui es-tu pour juger l'art des gens?
Je suis Amine Gout. Quelle question. Non mais JL Ensar, je parle de la globalité du projet, attention, évidemment. Mérite que je t'appellerai Miyama. J'ai du temps pour un petit camp. Maman, si t'as... J'en peux plus de sa voix, putain de merde. J'en peux plus de ce type, c'est pas possible. Allez. Plus qu'un rapport, plus qu'un rapport. Elle veut qu'un baby éclore. On va m'enchanter, sa pousse, son wata. Naturellement, j'ai transformé son corps, donc j'ai gardé toutes mes forces pour qu'il fait boum. J'ai pas préparé quel coup quand t'as rentré dans la pièce, y'a son bout. Payez pardon, là faut pas me gêner. Mais en pleine action, j'ai pas su dire. J'suis informé, j'crois qu'elle s'appelle Mami Wata. Non, en vrai, par contre, l'instru avec le petit saxo. Je vais pas faire le menteur, vous savez très bien moi le saxo, bon là j'ai envie de relancer du Tory Lanez, évidemment. Mais trop long, 3 minutes, 52, 53, c'est pas possible en fait. C'est beaucoup trop long pour ce qu'on nous apporte. En fait c'est pas assez riche pour faire des morceaux aussi longs, c'est ça que je comprends pas. C'est que c'est pas aussi riche, évidemment, voilà, merci. T'es d'accord avec moi? Bon, comme d'hab. Allez, on avance, outro. Alors là, ça nous sort le petit piano émotionnel et tout. Genre les gars, c'est la fin de l'aventure. Quand même, c'était une expérience genre... Wouhou! Donc let's go quoi. Allez, let's go. Ah bah c'est le piano de Tariq Azouz, voilà. Ceci explique cela. La fameuse apothéose, tu connais. Roudoudou. Frérot. Ou serait-ce? Pareil hein. Tu te calmes. En plus tu sens que la personne, elle s'est tenue pendant tout le projet. Là, c'est dit, allez, c'est bon. Outro. Je balance ce que j'ai sur le cœur. Compare à baby, ouais, c'est toi que j'essaierai. Trop souvent, je crois, sûr, crois pas que sans toi, je peux serrer. Si tu ne suis pas ton... Mais en fait, je suis désolé, je m'épose encore, mais... Mec, à un moment, t'es gazo. Ok, t'entends l'instru. À un moment, tu dois te dire, bon. Je me retire. Qu'est-ce que ça a à voir? Sa voix n'a rien à voir. Sa voix ne matche pas du tout avec l'instru. À un moment donné, il faut savoir ce qui fonctionne. Ça fonctionne pas du tout. Je suis désolé, ça fonctionne pas du tout. Là, t'entends cet instru, tu dis, vas-y, Tiako. Je te laisse la part de gâteau à toi tout seul. Et d'ailleurs, même Tiakola, baisse-moi un peu cette autotune. On a eu une instru comme ça, là, belle, orchestrale. Je trouve que ça la gâche, ça fait vulgaire. Voilà, putain, ça fait vulgaire. Je trouve que ça fait vulgaire. J'ai pas de problème. Mais vrai, tellement vendu là, on en est fiché. Après, au bido, tu kiffes. Ah, gros, y'a pas de soucis, hein. Oh là là, petite guitare et tout. Non, Cobazola, ça sera au-dessus, je pense. Hein. Oh là là. Pourquoi ce serait pas mieux? Parce que là, quand même, encore une fois, on est un peu sur le ras des pâquerettes. Je pense que cet album. Après, vous savez quoi? C'est un album référence. Ouais. Ouais, c'est un album référence. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Eh bah ouais. L'homme aux multiples facettes, aux multiples surprises. Oui, c'est un album référence de ce qui se fait de plus fade, sans saveur,
dans le rap français. Voilà. C'est aujourd'hui, si on dit, tu vois, quand nos enfants, ils vont dire, ouais, et tout, à une époque, 2022, 23, peut-être 24, on verra, hein. Apparemment, le rap commercial, mainstream, c'était pas ça et tout. Tu peux m'expliquer, papa? Hop, tu mets la mélo et Gangs. Et là, le petit, il va dire, ah ouais, le rap commercial, ça volait pas haut, hein. Et ben voilà, c'est un album référence. C'est un classique du genre. Ouais, voilà, c'est un classique du genre. Un classique de la fast-food musique. Un classique de. On n'en a rien à cirer de faire quelque chose de vraiment intéressant. Moi, ça me fait chier pour Tiakola, hein, je vous le dis, hein. Là, Tiakola, c'est premier avertissement. Voilà. Premier avertissement. Moi, je fais sa propagande depuis Mello. Album de l'été de l'année dernière. Un des meilleurs albums de l'année. Potentiel incroyable. Mais là, d'une, ça se repose sur ses lauriers. De deux, ça surfe vulgairement sur ce qui se fait de plus facile et de plus fade. Donc, attention, Tiakola, premier avertissement. Voilà, on verra l'album. Est-ce que oui ou non, ça va se renouveler? Est-ce qu'il va un peu sortir de sa zone de confort? Est-ce qu'il va un peu arrêter de se reposer sur ses lauriers? Parce que les limites, attention, commence à les entendre venir. Donc ouais, bon, bah c'est un album qui restera pas du tout dans les annales. Malgré des instrus qui parfois quand même sortaient du lot, on va pas se mentir. Les instrus de Flemme, Tariq Azouz. Mais bon, la proposition sur ces instrus-là, enfin, sincèrement, j'ai l'impression vraiment d'avoir écouté le même morceau, non? Ouais, non, bah non, pas du tout dans les annales, hein, loin de là. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les avis des GOAT. 2, 2,5 sur 5, c'est clairement. Alors, attendez, c'est pas parce que je suis, j'ai du mal à lire, c'est parce qu'il y a le chat qui va vite, parce que je vous vois, ouais, il bégaye, il n'arrive pas à lire, blablabla. C'est de l'easy listening, de fou, et le mélange des deux styles voix est sympa, mais ça se démarque pas nécessairement de la masse. Ce que j'ai limite retenu, que quelques prods de cet album, et Tiakola qui a quand même porté quelques morceaux, sans rien de phénoménal. Je pense que la voix de Gazo lui a permis de sortir de la masse et d'être découvert du grand public, mais c'est aussi elle qui le limite de fou niveau flow et versatilité. Tout à fait. En fait, Gazo, c'est un peu l'étoile filante qui a pas envie de filer. Tu vois, une étoile filante, c'est cool. Ça passe une fois, boum, t'es là. Oh, super, une étoile filante, clac, clac, clac. Ouais, tel jour et tout, c'est phénomène intéressant, voilà. Puis, astronomie, c'est dingue. Mais si elle est là et elle passe tout le temps, t'en as marre. Et ben là, c'est la même chose avec Gazo. Alors, je vais quand même la note. Mélo. Gangs. Ah! Ah! Putain! Mélo, Gangs. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'aurais préféré un projet solo de Tiakola à chaque fois Gazo nique les sons. Mec, si Tiakola avait posé tout seul sur tous ces morceaux-là, moi, j'aurais été déçu. Parce que sincèrement, ça aurait été une régression par rapport à Mélo. Un projet commun entre Tiakola et Gazo, bah, ça doit pas durer plus de 4 morceaux. C'est long et on s'ennuie avant même la fin des morceaux. Après, je suis un Yankee certifié, alors c'est un 3 sur 5. Ok, mec, bah au moins t'es objectif. Attendez. Comment tu peux dire qu'un projet de Kobalade peut être mieux qu'un projet avec Tiako? Bah, parce qu'il y a quand même Zola. Et parce que je pense que Kobalade a un petit peu plus de flow que Gazo. C'est la vieillesse, ça, je pense. Je suis pas vieux. Peut-être qu'il aurait adapté en solo. Non, mais c'est même les instrus, gros. Gros, c'est même les instrus. Je suis désolé. C'est trop facile, là. Il faut. Moi, je pense que Tiakola, il faut qu'il renouvelle un peu les beatmakers avec qui il bosse, ou bien bosser beaucoup plus avec Tariq Azouz, beaucoup plus avec Flemme. Et c'est le 2 sur 5 qui l'emporte. Bah ouais, j'aurais pas mis plus. J'ai vraiment l'impression que la recette Gazo va durer pour longtemps, sans vraiment. Pourquoi il n'y a plus d'image? Ok. Putain, désolé, j'ai perdu. J'espère que Tiako ne va pas s'enfermer dans ses influences commerciales. Là, je veux le voir taffer avec des bons producteurs et une vraie DA.
Merci Gaga Dunk, c'est exactement ce que je dis. Je vois ce que vous voulez dire, mais Tiako, c'est pas Chris Brown. Je comprends pas. La recette Tiakola va vite s'épuiser, le prochain boss sera sûrement similaire niveau mélodie. Et bah on sortira du wagon. On sortira du wagon. J'ai vraiment l'impression que la recette gazo va durer pour longtemps sans vraiment changer comme le fait Nino depuis quelques années. Ouais, bah après, parce que on est dans une ère de la musique où cette musique rapide, fast-food, fonctionne et va continuer de fonctionner de par les différents outils par lesquels on écoute de la musique. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Honnêtement, cet album, c'est symptomatique de l'état du rap français actuel. Alors, on le dit encore, hein, commercial. Ça va trop vite là. Sans saveur, même sonorité, texte jetable, DA très pauvre et même top line. On aurait mis Leto, Nino ou Werenoi sur le projet, on n'aurait vu aucune différence. Après, je sais pas, parce qu'ils ont pas tous le même niveau de Tiakola, tu vois. Tiako mérite de bonnes prods, des bons rappeurs ou chanteurs à ses côtés. Il a trop de talent, il faut le gâcher. J'ai hâte d'entendre la suite quand même, en espérant qu'il arrête de feat avec des rappeurs nuls comme Gazo. Bah, c'est ça, mais moi j'ai l'impression que la démarche de Tiakola, elle va pas dans ce sens-là. Hein. Les passe-passe sur le morceau Ambition, tu valides ou pas? Dommage de ne pas avoir plus de son dans cette vibe. Gros, je m'en souviens même plus. Pour te dire à quel point ça m'a marqué. Je trouve les instrus des rappeurs installés trop génériques. Par exemple, la New Wave propose des instrus beaucoup plus originales et créatives, même si tout n'est pas bien. Il a de quoi être inspiré. Totalement d'accord avec toi. Tiako, son feat avec Jebwani, avec Prinsley, bientôt avec La Fève. J'ai confiance pour la suite. Ok. Et ils m'ont toujours repoussé. Ok. Ah bah oui. Bien sûr que j'aurais eu le meilleur couplet. On est où là? Ouais, mais il était fort pendant 5 ans alors que Gazo, il était fort pendant 2 ans. Tu parles de qui, Rodoudou? Tiako doit être guidé et accompagné dans ses choix musicaux. Ikaz, BBP, Tarik Azouz, ils peuvent lui donner une direction à suivre. Et il peut aussi collaborer avec des artistes en ghostwriting pour les textes. Dinos l'avait beaucoup aidé sur Melo et ce genre d'échange peut être grave intéressant. Tout à fait. C'est aussi la faute des auditeurs rap français qui acceptent de bouffer la merde qu'on leur sert. Ouais, auditeurs rap et industrie en général. Hein. Industrie en général qui acclame ce genre de projet qui ne mérite pas d'être acclamé. Pour te rassurer et te dire la vérité, personnellement, j'ai dû écouter le projet déjà 4-5 fois pour avoir des sons qui me marquent et que je retienne. Ah ouais, mais t'es. Ah oui, quand même. T'es courageux, hein. Moi, les instruments m'ont grave plu, c'est pour ça que je trouve ça lourd. Les gars, franchement, il y a pire. Surtout le Gazo et Tiakola se connaissent depuis et son pote. Oui, c'est vrai que c'est loin d'être une connexion. Oui, c'est vrai. Dans son... Oui, effectivement, mais. Est-ce qu'il y avait artistiquement une réelle opportunité à faire ça quoi. J'ai l'impression de ne plus rien s'écouter à long terme. Franchement, je suis d'accord avec Hugo dans l'écoute du projet d'Issa et Limsa qui est mille fois mieux d'ailleurs. Le rap français et même un peu le rap US, c'est assez chiant. Tout est similaire. Sauf quand tu fouilles de fou pour trouver un petit rappeur pas connu. Mais c'est chiant d'avoir à faire tout ça pour écouter des projets. Bah ouais, clairement, ouais. Zola Cobas. Non, non, je vais pas. Je vais faire PNL à minuit. Écoutez, dites-nous, vous, dans les commentaires YouTube, ce que vous avez pensé de ce projet. Ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pardon. Et surtout sur Twitch. Et oui, pour venir partager vos avis, faire des écoutes ensemble. Donc, lien dans la description. Pour être au courant, les réseaux sociaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace!